en particulier. Attendez, j'ai bien mis fin, Jean. Oui, voilà. C'est bon. La queen. C'est bon. Ah. Bonsoir. Eh bien, vous nous retrouvez dans le Ivy de Rochaud, comme tous les vendredis soirs à partir de 20h15, sur la chaîne étoilée NCI. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Ce soir, nous recevons deux artistes, deux monuments du Zouglou en Côte d'Ivoire, les patrons. Ah, c'est mon morceau, ça. Clément, Eric, bienvenue dans le Ivy de Rochaud. Mimi la blonde. Oui, Ivy. Ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien? Oui, je me porte bien. Tu m'as l'air un peu pâle. Non, je suis bien, je me porte bien. Est-ce que Dieu n'a pas saisi ma prophétie de la semaine dernière? Non, peut-être que c'est le maquillage qui est... Dis amen. Oui, mais peut-être dans les jours à venir... Mais dis amen quand même. Je reçois. Merci. Je reçois. Patrick Edouard, comment tu vas? Mais très bien. Et chez toi? J'aime bien ton bon beurre. Merci, merci. C'est mignon. C'est joli. Edwin Anouma. Oui. Ça oui. va? Très bien. C'est quel voilà. Je ne me sens pas très bien ce soir, mais je vais faire l'effort de tenir 1h30 pour vous, mes étoiles. Je suis un peu souffrante, convalescente. Mais quelqu'un est malade, tu ris. Je ne comprends pas. Aïe, moi ça va. Saint-Ichou, on peut commencer déjà par la bonne nouvelle, parce que j'ai été reçue hein, quand même ce matin au palais présidentiel. J'étais invitée, je ne suis pas partie de moi-même. Ah, c'est ça. J'ai été invité. Tu n'es pas allé, moi. Voilà. Et par le chef du cabinet du président de la République. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Pour mon engagement pour la République de Côte d'Ivoire, mon patriotisme, voilà, je n'ai que cette patrie-là, la Côte d'Ivoire, pardon. Donc, vous allez voir un peu quelques photos et vous allez voir ce monument derrière. C'est le palais, voilà, c'est beau. Il y a eu une enveloppe, non? Pardon? Il y a eu une enveloppe. Aïe, mais... Une enveloppe? Mais... Attends. Une enveloppe même conséquente. Je dirais même deux enveloppes, pour ne pas mentir. Mais quand c'est comme ça, dors, tu m'appelles, j'attrape le sac. Deux enveloppes, non, c'est pas nécessaire. Franchement. Quand c'est ça, c'est pas nécessaire. Je remercie déjà. C'est gentil. C'était très bien. Merci là-bas. Oh. Eric Patron, Clem son patron, bienvenue. Merci. Merci. Zouglou. Zouglou seulement ou bien... Parce que vous, c'est bizarre, hein, je les aime bien, j'aime bien ce groupe-là. Ça n'a rien à voir avec nos rapports en dehors de ce qu'ils font. Hein. Mais, pardon? Mais je dis, ils font, c'est-à-dire ils ont révolutionné le Zouglou parce qu'il y a chaque génération et eux, leur génération, ils ont révolutionné le Zouglou. Je peux dire Zouglou, même Zouk, même des Zouglou, là, c'est Espoir 2000 qui a commencé un peu, non? Mm-hmm. Et puis Eric Patron et Clemso sont venus approfondir un peu des mélodies et tout ça. Qui écrit les textes? Il y a un silence. Hein. En fait, Clément, il est venu pour se venger. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Clément veut casser les papous. Il n'a pas que... Pardon? Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Mais il ne va pas faire ça. Lui-même, il a le laissé, c'est bon, mais j'ai cassé. Allons au mot de la semaine, on va revenir. Comme tu veux commencer, tu veux jouer à ça. Allons au mot de la semaine. Les Ivoiriens sauront tout ce soir. Merci. Bon, franchement dit, il n'y a pas assez d'idées sur ce mot, franchement dit. Je ne maîtrise pas tout. Prémonitoire. Bon. Prémonitoire. Bon, me dit quelque chose, mais franchement, la définition m'échappe. Bon, la définition du mot prémonitoire chez moi, apparemment, c'est des signes qui arrivent avant l'apparition d'une maladie. Prémonitoire. Bon, prémonitoire, c'est pousser des gens à promouvoir quelque chose, pour moi. Hein. Prémonitoire, c'est un caractéristique ou un signe. Merci.
C'est ma rubrique préférée, hein. Mm. Prémonitoire. C'est même caractère. Clément, prémonitoire pour toi. Je peux dire que c'est quelque chose qui va se passer quand, que tu as déjà vu pour moi. Hein. Uh-huh. Voilà, c'est un peu ça. Eric? Oui, c'est ça. Quand c'est prémonitoire, c'est vu d'avance. C'est ce qui va se passer. Tu vois ça un peu bien avant. Voilà. Les prémonitions, c'est parce que ça. Prémonitoire. Patrick. Attends, non, laisse-moi parler. Mais je ne sais pas pourquoi les hommes font ça. Mais parle vite. Prémonitoire, dans le prémonitoire, il y a premier. Donc, c'est quelque chose avant. Quoi? Le pré. Elle ne sait pas. Il ne faut pas faire voilà, ça, va s'aggraver. Okay. C'est d'avance. Mais excusez-moi beaucoup. Je ne suis pas du quartier. Attends, laisse, tu ne laisses pas. C'est un sentiment. C'est un sentiment. De déjà vu. Non, non, voilà, de déjà vu. Mais je dirais en anglais, karma is a bitch. Voilà. C'est toi qui comprends ce que c'est. Prémonitoire, je me dis peut-être c'est un signe qui nous donne une vision sur ce qui va se passer. C'est ça. Voilà, oui. Des rêves prémonitoires, c'est-à-dire oui, c'est on voit déjà à l'avance, hein. Voilà, comme ce que j'avais prédit il y a quelques jours sur mon Facebook privé, mon Meta privé, où j'avais dit finale Sénégal, Égypte. C'était un post-prémonitoire. C'est un post-prémonitoire. Et puis, on peut avoir la définition, s'il vous plaît. Qui est relatif à la prémonition ou qui en a les caractères. Attacher une valeur prémonitoire au rêve. Voilà. Des signes qui précèdent l'apparition d'une maladie infectieuse. Effectivement, donc le monsieur avait raison. Il a le monsieur avait raison quand il parlait de maladie. Oui, mais c'est une façon qui peut se situer dans le contexte qu'il explique. Si. Sinon... Prémonition, c'est comme ils l'ont si, dit, si. C'est pré, c'est si, prédire, si. Ah, c'est si. Un signe ou bien une vision d'office. Ah, quand Zouglou allait à l'école. Les gars, cette émission-là, on ne va pas attendre la deuxième phase pour pouvoir attaquer. Yeah. Vraiment. P, c'est lancé. Attaquer. Combien d'années ensemble, Eric Patron et Clemso? Ça va faire plus de 30 ans. Hein. Et? Ouais. Plus de 30 ans que lui, on se connaît. Ah, que vous bossez ensemble ou que vous vous connaissez? Bon, quand on travaille ensemble, on a débuté dans les voyants. Donc tout ça, ça fait partie du boulot. Vous êtes connu à quel âge? Moi, j'avais 10 ans. 19, hein? Non, un peu plus. Toi, tu es un peu vieux. Si toi, donc, tu as 5 ans. Donc, tu as 5 ans. Non, non. 49 ans. Près de 30 ans. Donc, OK. Donc, tu as la quarantaine révolue. Ouais. Ah. Et toi, Eric? Ouais. Tu étais plus jeune? Oui, parce qu'il y a quand même 3 ans entre nous. Mm-hmm. Donc, on va dire, j'avais 17 ans. 17 ans ou 16 ans, 17 ans. C'est bizarre, parce que les groupes vraiment se cassent beaucoup et tout ça. Mais vous deux, vous êtes restés quand même ensemble, 30 ans. C'est le fondateur du groupe, c'est lui qui est venu. Ah, c'est le fondateur, c'est vous. C'est lui qui a créé le groupe. Et moi, les je m'étais à l'école, ouais. Il m'a blagué. Ben, il m'a pas mal blagué. Des photos, oui. Tu es à l'aise de le dire. Il m'a pas mal blagué. Il était blagué, tu es à l'aise de le dire. Il était blagué comment? On peut blaguer son ami comme le ça. Le père voulait que son fils soit pharmacien. Mon fils, tu seras pharmacien. J'étudie comme ça. X au carré, là, c'est sur le tableau de lundi à dimanche. X au carré. On ne pas dit tu ne changes pas, X au carré, là. Déjà, la nuit, il me prend. On s'en va faire les voyants. Mais bon, après le décès du vieux, c'est là que j'ai compris qu'il y avait cette passion en moi et si, lui, il a beaucoup plus développé. Oh. Je suis reconnaissant, je le dis à qui veut l'entendre. Et Clemso, c'est comme un peu à moi. C'est vrai parce que. Je vais dire un peu ce que les gens disent tout bas. Hein. Parce que dans les groupes, la plupart du temps, il y a celui qu'on voit en avant, mais il y a celui aussi qui fait le boulot derrière, tel que. Dali Djedje et Sylvain. Et je peux dire Assalfo, Goudé et Tino, tout ça, Manadja et tout ça. Donc, du coup, il y a le lead. Donc, nous, comme on voit le lead, on s'est dit, c'est lui qui est le patron du groupe. Or, le vrai patron,
C'est Clemenceau. C'est lui qui parle. Le chef ok, c'est lui qui a tout le blé. En fait, les décisions viennent de lui. Les décisions viennent de lui. Voilà, ça dit, pour que quelque chose soit validé, comme tu le disais, nous on est exposés parce que tu es devant. Mm. Mais s'il ne valide pas, rien ne se fait en fait. Ok. Voilà, c'est super. Le vrai point en fait. Super. On valide ensemble. Ah, il faut dire la vérité. Parce que lui, il est un peu. Il est un peu chaud. Il est calme, mais il est. Non, plus c'est... que toi. Non, il s'est calme. Ben, moi-même, j'ai bruit. Voilà, gâtement gâté. Moi, je l'ai toujours connu très calme, très rangé, oui, très discret. Il allait calme. Il allait calme. Peut-être que c'est un faux timide. Tu sais où il t'a regardé? Non, mais il y a beaucoup de propos qui seront cassés ce soir parce que j'ai regardé le regard de Clemenceau qui en dit long. Vous, vous connaissez? On se connaît. J'aime cette émission. On se connaît, mais passe à la pas télé. Bien. Vous connaissez pas bien. Moi, chantais dans notre... J'ai chanté dans les orchestres. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a aussi ça, hein, les artistes qui sortent entre eux et puis ils cachent là. Non. Oh. Oh. Hein? Non. Tu vas où même? Faisons l'émission là. Hey. Moi, j'ai dit quoi? Ils ont une relation. Il y a des parents. Vous avez une relation. C'est moi, j'ai invité des. Tu as eu une relation avec un des parents. J'ai posé la question. Parce que tu as une relation avec un des parents. Ah bon, aujourd'hui là? Oui. En fait, il m'a promis l'argent le 1er janvier qu'il est venu, il ne veut pas. Il m'a dit, il faut m'appeler. Il a dit, d'accord, je vais. J'ai appelé là-bas, il n'a pas eu le temps. Il a dit aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui. Il va te libérer. Il va me libérer. C'est effectivement. Toi, tu en connais des artistes qui ont eu des relations avec. Ah non. Avec elle? Non. Mais tu as pas pour elle, mon gars. Tu as eu des relations? Non. J'ai pas. Non? Et toi? Et toi-même? Entre artistes? Oui, entre artistes. Non, des non. Rumeurs, même, tu as jamais entendu. Non, 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 non. C'est vrai? Bon, allons au Doka. Je sais que vous avez entendu, mais ça va vous revenir. On va au Doka. Ça me fait rire. L'émission d'aujourd'hui. Le Doka! Ah non, c'est gâté. Vraiment, je suis très heureuse. Parce que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, oui. Feu d'artifice. La joie des. Il y a eu feu d'artifice dans ton quartier. Mais maman, il est dépassé. C'est-à-dire, ce n'est pas de la moquerie. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Retourne à nos voyants. C'est ce que tu as dit. En fait, nous, on a un Eric Bailly. Eux, ils ont trois. Ils ont Eric Bailly. Ils ont Bailly Eric. Ils ont Claire Bailly. Ah. Et puis, ils ont Bailly Pinto. Dans l'équipe. Ma tête. Mais non. Et Dieu. Je vous dis que les Ivoiriens, c'est pas un peuple dont on se moque. Affaire d'Ivoiriens, là, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple. Où faut à payer nos dîmes avant de partir. Si. Basilique. Hey. C'est la plus grande cathédrale du monde. Là. Absolument. Ah. Donc, la dîme, là, il a payé, on ne sait même pas c'est pour combien d'années. Vous vous moquez de nous. Bon, même chose qu'on a vécu là, ils ont multiplié par trois. C'était dans un film. C'était dans un film. On allait dire que c'est un scénario, non, c'est monté. On dirait film. Je te dis, vraiment, toi tu as vécu ça. Tu supportais qui d'abord même? Honnêtement. Bon. Tu as conseil des mains. Non, moi, sincèrement, quand ils sont arrivés au tir au but, j'ai dit non, Cameroun va tomber. Tu as senti ça? Ouais. Et les Arabes, là. Parce qu'eux, on les entraîne pour tir au but. Hmm. Ouais. Ouais, même les défenseurs. Oui, même les défenseurs. Éric et toi, tu étais où? Dans supporter, là. Hein? Dans supporter, là. Hier, là, non, hier, tu étais où quand le match? Tu as vu le match où? Pendant le match. Bon. Non, j'étais où, même? Faut faire attention à ta réponse. Il y a ce que tu m'as dit où tu étais hier.
Et puis, il y a ce que tu as dit à la télé. Oui, c'est vrai. On est allé faire... Oh, ouais. Lui m'a rejoint après. Qui je suis allé faire soin de visage. Hein? Et puis, j'ai suivi la fin, en fait, un peu. Je supportais personne. Dans le tu coin, as suivi où? Dans le coin, là. Quel coin? Où on fait soin de visage? C'est où on fait soin de visage? Toi, tu as regardé ballon. Non, j'ai fini. La fin, quand on a fini, je suis allé regarder. Mais la quand fin. Tu m'as appelé pour me dire que tu partais faire soin de visage, là, tu étais avec Clément. Clément se faisait coiffer juste à côté. Mais on est pas du concert ou bien on est. Clément se faisait coiffer à côté. Comment? On l'a coiffé dans la voiture. Mais j'ai fait les soins de visage ou pas? Non, non, bon, ça, là, ça maintenant, nous ne savons plus. Puisque... Ça ressemble à parler du foyer. Hein. Ça ressemble à quoi? Parler du foyer. Toi, tu veux sortir de l'émission. Tu étais où? Il doit passer par là. Qui? Patrick, toi, tu étais où? Moi, j'étais nulle part. Tu n'as pas regardé le match? Non, non. Tu supportais qui? Il n'y a pas de ballon. Personne. Oh, c'est le Sénégal qui le soutient. À la maison. Edwin, moi, je supportais le Sénégal. Donc, Ou l'Égypte. Pour une fois où tu n'étais pas chez moi. Tu supportais dit. L'Égypte. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je supportais l'Égypte. Je suis libre de choisir une équipe. Oui, bien sûr. Moi, je ne supporte personne, en tout cas. Mais vous de même, vous ne pouvez pas supporter aujourd'hui. Ils ont intérêt. Non, mais moi, je supportais l'Égypte. Ils ont un bon public au Cameroun, en plus. J'aurais aimé... J'ai jamais supporté les Maghrébins. Cameroun, c'est un pays frère. Ouais. Mais pour ce qui s'est passé, très honnêtement, c'est un peu trop osé, c'est déplacé. C'est frustrant. C'est frustrant. Donc, à la limite, je ne les supporte pas, quoi. Même si je garde pas supporté quelqu'un. D'habitude, nous tous, on se supporte entre nous, les Noirs. Les Africains Noirs. On allait supporter Noirs. Même Cameroun, même. Ça n'a rien à voir avec de la xénophobie ou bien du racisme ou bien quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est établi. Ouais. Maintenant, quand nous, on a joué contre eux, ils les ont supportés. Donc, c'est là, il dit, ah, je vois qu'on les supporte là, c'est ce que ça fait. Voilà. Je les ai supportés hier, à minuit, Franck Zorobi m'appelle. Ma petite sœur. On veut ton numéro à la présidence. Il dit, mais pourquoi est-ce que je peux donner? J'ai dit, mais toi, tu es un sorcier. Tu donnes pas on comment? On dit, la présidente, tu m'appelles, mais donne le numéro. Mais non, mais ils ont mon numéro là-bas. Pourquoi ils ont... Et on m'appelle. Aujourd'hui, enveloppe. Mais Égypte, c'est un bon pays. C'est un pays même qu'on doit supporter. C'est un pays frère. Ça veut dire que, normalement, je supporte le Sénégal pour la finale, mais... Je supporte aussi l'Égypte. Ton cœur est égyptien. Parce qu'on ne sait pas. Le lendemain, qui mais va m'appeler? Tu n'as pas un côté égyptien? Non, moi, je n'ai pas un côté égyptien. J'ai un côté sénégalais. Mais le jour de la finale, là, je supporte les deux. Voilà. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, mais plus l'Égypte. Parce que quand l'Égypte gagne, on m'appelle pour me donner enveloppe. Donc peut-être le lendemain même, c'est le PM qui arrive, il vient. Égypte, nous comptons sur vous, mais le Sénégal aussi. Gagné. Nous comptons... Non, Sénégal. Sur vous aussi. Ouais, lui, il a un côté de là-bas aussi. Hein. Ah, oui. Sénégal, si, effectivement, ah, ouais. Il a un côté sénégalais. Il a oui. un petit truc, là. Ah, bon, ouais. Il a un enfant là-bas. Pas petit truc. Il a poussé un mousin. Son premier fils est sénégalais. Il a un mousin. À qui je fais un gros bisou, au passage. Hein? Non, non, rien, j'ai rien dit. Tu as dit quoi? Mais tu voulais dire quoi, Edwin? Non, Patrick m'a dit. Pourquoi dis, Patrick, on en dit. Dites, sinon, on ne va pas continuer fait... l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous critiquez les gens en nous. Oui. Quand ils sont arrivés, Patrick m'a dit, ah, pourquoi Eric aime porter les habits cirés? Mais toi, moi, ton problème, s'il porte les habits cirés. À sauter. Non, ça me plaît, ça n'a pas sauté, c'est parce qu'il a pris un peu de poids. Pour moi, ça veut dire que son habit me plaît. Je l'ai juste enlevé, en fait, pour faire mais cool. Mais pourquoi tu il veux parle voir? De ton habit? Tu veux voir? C'est mon émission, pourquoi tu parles de son habit? Voilà, sinon rien à sauter. On a déjà parlé de tes habits. Laisse la guerre défoncer. Mais je ne pas, Patrick, j'ai remarqué que... Non. C'est Patrick. Non. Sors. Carrément. Quand tu vas parler de l'habit, Eric, toi, tu as parlé d'Eric? Ah, ça. Ah. Il restera là-bas. Il va rester. Le mannequin, tu parles de lui comme tu ça? Tu as parlé du mal. Attends, aïe, aïe, aïe. Comment ça? Plus jamais. Reviens même. Il faut dire
la télé. Plus jamais je vais faire ça. Plus jamais. Non, zoomez-le. Oui. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriens. Je m'excuse. D'avoir offensé. D'avoir offensé. Yves Hidero. Voilà. Ah, voilà. C'est pas mon nom. Non. Mais ils m'ont offensé. C'est moi qui regarde ses habits avant de sortir. Ça veut dire que. Ah. Il veut dire que je ne sais pas la vie. Non, moi, je n'ai pas du fond du cœur, je ne vais pas passer comme ça. Adeline, toi, il dit quoi là-bas même? Tu dis quoi? Il dit non. Faisons l'émission. Voilà. Mais, continue. Et je m'excuse d'avoir offensé. D'avoir offensé mon jeune frère. Éric. Éric Patron. De Ivy. Ah. Voilà. Ton frère est mieux, hein, parce que tu es le plus jeune. Tu es le voilà. Ah, oui, mais les mots, on utilise ça comme ça. Moi, je fais mon jeune. Ici, en Afrique, on place bien. D'accord, ok, mon frère est jeune. Moi, j'ai une question pour le conseil. Oui. Bon, votre dernier conseil, là. On a dit que vous n'avez pas laissé les artistes monter sur le podium. Il y a eu un problème même avec la Zaïre, bon, vous avez réglé tout ça. Est-ce que cette fois-ci, là, vos amis pourront monter sur la scène? Je vais répondre. T'en as fait la fois. Ah, bon, je vais répondre. Le conseil des patrons, bien, c'est le conseil des Glazaï. Non, je vais répondre parce que on dit conseil d'un artiste, vous voulez monter sur la scène pourquoi? Pour le soutenir. C'est nous, on veut que vous nous soutenez. On ne veut pas que tu nous soutiennes. Non, c'est pour ça que ça se passe. Non, mais après, il faut prendre la parole. Alors, voilà. Alors, non, parce que l'émission d'aujourd'hui, les savoir. Je sens que mes nerfs vont monter. Sachez-leur poser des questions. Hein. Oui, les Ivoiriens veulent savoir, en fait, parce que ça crée beaucoup de... Allons-y. C'est bien la question, mais on n'a jamais empêché quelqu'un de monter sur le podium des patrons, la scène des patrons, jamais. Le Zoulou, c'est une famille. Voilà. Maintenant, bon, après, nous, on est en pleine prestation, le truc est engagé, après, il y a des organisateurs. Nous, on a appris ça après, parce qu'ils voulaient, on a suivi le truc, tout ça, mais on était presque à la fin du concert, on était en train de chanter. Ils l'ont lutté. Tu suis un peu le truc? Non, ils voulaient monter, et puis ils ont dit non et tout. Après, bon, on est en train de faire... C'était organisé par Cheikh, Ivan et tout, voilà, Nostalgie. Et puis, il m'a appelé après pour dire, ah, mon petit, t'as vu ce qu'ils ont fait tout. Non, mais j'ai pas compris tout et tout. Sinon, après, tu vas pas voir un Zougmonde faire concert. Tout le monde monte. Oui. On soutient tout le monde, tout le monde vient. Donc, et puis, on s'en est excusé. C'est quand même... On s'en est excusé, on s'est déplacé. Il a compris que c'était pas notre faute. Mais bon, on a aussi réprimandé ceux qui l'ont fait. Mais là, il sera là pour ce prochain concert. Non. Il est de l'autre côté. Oui. Vous pouvez le faire venir au moins pour vous rattraper. Ah, rattrapage, c'est ça. Bien l'avion, là. Ah, maman. Mais quand même. Mais on travaille, on est bien ensemble. Moins. Oui. Avant les autres concerts, on était tous ensemble. Oui. C'est l'ami de Charlie Parker. Le prochain concert à Paris, voilà. Voilà. Oui, mais il ne s'agit même pas que de Glazaï, c'est mieux que tout le monde sache qu'il n'y a aucun souci, en fait. Parce que les gens... Non, le cas de Glazaï n'est pas une généralité, je veux dire. Donc, ça a été un cas... Tout peut arriver, une fois en passant. Voilà, personne n'est parfait, mais ce n'est pas nous. Mais après aussi, il ne faut pas qu'on s'en plaigne, hein, parce que moi, je me dis... C'est-à-dire, cette tradition même, je ne l'ai jamais aimée. Ça fatigue aussi. C'est-à-dire, soit on fait un spectacle, on chante, et si tu montes sur la scène, c'est que tu es dans le spectacle. Mais les histoires de non-venus faire tout... Non, mais nous, c'est ça, il y a la chaleur. Ça, c'est une tradition, mais l'organisateur, ça gêne un peu le spectacle. À cause de la captation, peut vouloir des choses. Si, au moins, parce qu'en ce temps, on s'agit, chèque, ils avaient tellement bien placé les choses, les artistes avaient leur place. Donc, c'est après qu'ils m'ont expliqué, on s'agit, on a fait une liste bien, tout était déjà calé, c'est pour suivre notre truc. Le conducteur quitte dedans. Je dis, mais après, vous l'avez un peu truc. Il dit, ça arrive, on est tous dans le showbiz, mais... C'était pas notre faute aussi, on était dans un système. Et demain, vous nous réservez quoi? Ça sera du show, il y a une mise en scène, ou bien ce sont des concerts de Zougmonde qu'on a l'habitude de voir, archaïques, dépassés, ou c'est du nouveau? On va donner du spectacle. Voilà. Il y aura plein de choses qui vont se passer. C'est des tableaux, en fait. Des tableaux. Voilà. C'est un film, c'est une histoire qu'on va raconter. D'accord. Du début, 2002 à 2022. D'accord. Donc, on aura droit à des interventions artistiques. D'accord. Mais il y a une scénographie montée par des mains des maîtres. Voilà, j'ai envie de dire Bomou Mamadou, qui a apporté ses conseils et tout. Et puis, je vais m'arrêter sur Bomou Mamadou. On sera là-bas demain. Voilà. On va aller au baccalauréat. Parce que Clément m'a menacé tout à l'heure. Il dit qu'il n'est pas venu ici pour écrire.
mais il va écrire parce que c'est mon émission, c'est moi qui commande. Donc vous avez des ardoises juste à vos pieds. Mimi, tu peux aider Clément, s'il te plaît. Et puis... C'est Clément seul ou c'est nous deux? C'est vous deux. C'est nous deux. Ah, tu voulais que Mimi t'aide quoi? Pour faire quoi? Dicter? Pour attraper ton ardoise. Non, ça va, ça va. Ah. On a qu'à aider Clément. C'est ce que j'ai dit. Ah. Mais comment tu me parles même pas la nuit, là? Je sais pas. C'est bizarre. Mais tu me fais comment même? Hey, je te parle comment? Ah. On est venu faire une mission. Oh. Tu dis quoi? Ah. Mais tu as fait un signe, là. Non. Tu as fait comme ça. Elle va. Après. Hey. Après. T'as pas le droit. Baccalauréat. La lettre. C'est quoi? H. Point pays. La lettre H point pays. Hein. Lui, il aime faire Jean, il connaît papier. Ah, mais il connaît papier. On dit les trucs. Mais attends, c'est quoi ça? Mais c'est du jamais vu. Yvi, il y a quoi? Non? Tu vas sortir. Non. C'est pas ça. J'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas sortir. C'est bon, mais non. Non, je suis pas d'accord. Il est sorti. Pourquoi? Mais il est sorti. Hein? Attends. Mais c'est quelle messe va se... Moi, ton affaire! C'est ton émission. C'est ton émission, c'est toi qui commande. Tu as écrit pour toi? Oui, oui. P. Non, mais si on te montre aussi... Si tu lui montres aussi, pour toi, c'est nul. Moi, j'ai écrit. Eric, si tu lui montres pour toi, c'est nul. Non, ça va. Vous pouvez pas écrire même chose, hein? Non. Moi, j'ai montré. Bon. Moi, j'ai écrit en gris. Tu as bien j'ai fait. J'ai écrit en gris premier. Tu as bien puis, fait. Toi, tu m'as. Attends, vois. Attends, vois pour toi. Ne dis pas, tu m'as. Tu n'as pas mis. Je n'ai pas. Hey. Posez vos ardoises comme ça, voilà, pour qu'on puisse. En gris, c'est nul. En gris, bon. Tout le monde a mis en gris. C'est Eric Sommon qui a trouvé Hollande. En gris existe, mais vous avez. Je sens qu'il y a du favoritisme, mais bon. Tu es un peu rebelle ce soir. Il va pas sortir. Il est un peu rebelle. Franchement. Il a montré qu'on n'écrit pas bien. Il est un peu rebelle, non? Je ne sais pas. Depuis que tu me disais ça, je ne faisais pas attention. Je t'ai dit, je l'ai dit. En fait, il veut parler. Voilà, il veut dire quoi? En fait, mais pose ta question. Et puis, il me parle. Il veut dire quoi? Parce qu'il te fait d'une manière et puis il vient dans mes habits. Oui, oui. C'est ça, il ne comprend pas même. Mais je te laisse gérer. Hey. Allons. La lettre W. Patrick, toi seul. Plus personne ne fait. Pourquoi? Pays seulement ou bien les non, villes aussi? Non, les C. Oh, okay. Il va faire. Pourquoi? W. Un animal. Non. Faut changer. Un pays. Non, un fruit. Un fruit même, d'ailleurs même. Un fruit. Ouais, un W. Un W. Combien de secondes? Écrit. Une plante. Une plante même, d'ailleurs même. Il y a une plante. Oui. Une plante. Tu vas écrire plante là aussi. Toi, tu es un menteur. Hein. Écris, hein. Plante là seulement, là. Écris. Quoi? Ouin, ouin. T'es un voleur. T'es un voleur. Hein. Bon, du coup... Bon, ils ont gagné, hein. Eric gagné. Patron, c'est Eric Patron qui est le vainqueur. Cette affaire. Allez, on va faire. Tu valides ça. Non, je... Il a gagné. Nous, autres, on est venu faire quoi ici? Vraiment, c'est la grande question. Franchement. Bon. On va aller à la pub.
concours, vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Ça se passe sur NCI et nulle part ailleurs. Vous pouvez nous suivre également sur SFR et Fruit. Le bouquet canal 204, la TNT 4. Je suis Ivy de Ro, la Queen. Bon, on va aller à la Fashion Police. La Fashion Police, là, j'espère que tu sais de qui tu vas parler. Parce que tu as commencé là sur le plateau ici. Il a annulé. Et je ne veux pas que ça se termine dans le sang. Il a dit annulé alors. Tu as annulé. Non, je n'ai rien annulé. Ok, alors. J'assume. Tu as assumé ça. Toi, ta place en jeu. Il y a beaucoup de gens qui font mode comme toi. Hein. Bonsoir, Ivy. Bonsoir. Alors, la fashion police aujourd'hui, on va mettre... Tu as combien de personnes en flop? Une personne. Attends. Fashion police, je peux avoir mon jingle d'abord, parce qu'il faut qu'on se concentre ici. Tu sais, depuis que je fais la fashion police ici... Hein? Tu as flop, là, tu as pris qui? L'excès. Ah. C'est bien. On peut mettre... Non, j'espère qu'on va mettre son image. Donc, il y a l'excès en flop. Ah, mais pourquoi? Donc, tout le public a dit, donc c'est bon. Donc, en flop. C'est Dracula? Non, il a fait exprès. Je pense que bon, je pense qu'il a juste fait exprès. Dracula, peut-être, mais je pense qu'il a voulu juste... Non, il n'est pas sorti comme ça. Bon, ce qui a su, cette tenue avec le t-shirt et le jean, ce n'était pas nécessaire. Tu as une entière ou c'est... Non, c'est ça qu'il a bien posté. C'est un flop parce que c'est de trop, en fait. C'est un too much pour rien. Donc, Épaulette, là, maintenant, on ne fait plus à bien épaulette comme ça. Mais le vieux père du Congo, il est comme ça beaucoup. Hein. C'est qui ça? Le vieux père baoulé du Congo, là. C'est qui ça? Tu veux parler de Kofi Olomide? Il a des trucs comme ça aussi. Hein. Oui, lui, ça c'est lui. Mais bon. Il est déjà full dedans. Voilà. Non, mais ça c'est pas. Ça c'est lui, mais c'est pas la même personne, c'est pas pareil. Bon, ouais, c'est vrai aussi. Avec sacré le t-shirt mignon. En bas, tout ça. Bon, voilà, donc c'est mon flop de la semaine. Non, je suis d'accord avec toi. Il a mis des boucles. Oui. Donc, c'est trop. C'est son mignon. C'est mignon. Hein, c'est son petit nom, mignon. Ah, mignon. Quand il ah, était mignon, petit, à la c'est maison. Comme ça qu'on vraiment, mignon, moi, hein. Les épaulettes à me fatiguer, ça pèse. Gros bisous à Mignon et puis Gigi. Ok, frères, donc on top sacrée, maintenant. La famille sacrée. Donc en top, on a le grand P. I? Oui. Vous êtes choqués pour voir. Le go national, hein. Le go. Le go. Hey. Le go a mis teintu. Oh. Non, il a bien mis. En c'est tout cas, il est en top. Le grand P, il est en top, il est très bien habillé. Bon, voilà quoi. Ceux qui se moquent, je ne comprends pas. Donc, mais pourquoi vous pensez que les gens pensent à Rizzi? Non, c'est parce qu'on sait que c'est un autre beau. Madame, s'il vous plaît, venez. Au fait, venez. C'est ça pourquoi les gens ont commencé à rire. Venez. Ils ont changé l'image. Ah, voilà. Ces personnes sont venues de yeux nous là. Ah, voilà. Oh là là. Une émission. Une vie de Rochaud. Franchement, je suis très honorée. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, vraiment, c'est bien. C'est très gentil. Merci. Mais pourquoi tu riais maintenant quand on a montré le beau là? Il n'est pas sapé. Il est sapé. Mais pourquoi tu riais? Mademoiselle Ivana, tu m'as appelée mademoiselle. Il y a une fois, la fait sortir. On dit madame. Tu l'appelles madame. On dit plus mademoiselle. Ah, d'accord. Parce que nous sommes toutes des potentielles dames. Oui. C'est une dame. Madame Nyamba. Oui, je peux avoir deux questions pour le patron. Allez-y. Ok, j'ai deux questions pour le patron. Le patron a déjà fait un featuring avec Chanta Taïba. Mais pourquoi depuis lors... Avec Mewé. Oui, Chanta Taïba. Non, pas Chanta Taïba, Anomira. Ah voilà, oui, Anomira. Ah ouais, Chanta, oui. Ça y est jamais. Anomira. Oui, Anomira. Mais et depuis lors, on n'a plus entendu un feat avec une avec femme. Avec Tiane aussi. Voilà, avec bon, une Tiane, femme. Ça fait au moins deux comme ça. Avec une femme. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de la nouvelle génération des femmes qui font le zouglou. Qu'est-ce que vous pensez de leur... Il y a des femmes qui font le zouglou. Bien sûr. Ça, c'est une bonne question. Il n'y en a pas beaucoup. Non, qui oui, c'est Layo. Il y en a. Elle fait le zouglou. Oui, Layo est passé, elle fait ça. Elle fait du zouglou. Mais les filles qui font du zouglou, on a l'impression qu'elles sont étouffées. Les c'est qui, par exemple? Tu qui veux déjà poser une question? Laisse. Moi, les gens qui faisaient les zouglou, c'est les copines. Non, mais il y a des filles qui font le zouglou. Qui ça? Attends, qui répondent et puis on va voir. Déjà, c'est assez rare maintenant. C'est dommage. À l'instar des copines, comme Ivy le disait. Maintenant, il y a Layo qui...
qui peut faire du zouglou, mais elle est sortie avec la variété. Mais quel est le problème qui fait que ces femmes-là ne se mettent pas en avant? Est-ce qu'il a répondu d'abord, attends, voilà. Excuse-moi, est-ce qu'il a répondu déjà à ce que Mimi a demandé? Voilà, justement, c'est ce que je disais. Il a parlé des femmes du zouglou, mais elle a dit pourquoi ils ne font pas beaucoup de featuring avec les femmes. Par exemple, José, Layo, comme tu dis, bon, qui vient de... Layo vient d'arriver. José, je veux dire... ça serait très bien, c'est en vue, en cours de téléchargement, Inch'Allah. Mais il y a Tiane qu'on a fait récemment, bon, qui n'est pas encore sorti, Tiane. Et puis, il faut dire aussi que, bon, il y a plus... les chanteuses vraies, José, Jocelyne, Chantal, Tiane et autres, on n'en voit plus trop. Joël, c'est perd son âme. On n'en voit plus trop. C'est vrai. Donc, vers la fin, on risque de charger un peu de trop José. Parce qu'avant même, il y avait un peu les Avo Love. Elle a fait un truc avec Zouglou Makers. Elle est avec les Boningo déjà. Elle est. Elle après, est ça, va, ça va. Après, je veux dire. Mais quoi avec les leaders. Elle a avec les leaders les aussi. Leaders. Donc, bon, ouais, sinon, c'est sûr que José, les patrons, ça promet. Oui, ça promet. Mais je veux juste dire, il n'y a pas de souci à cela. Quand ça va devoir se faire, on va le faire. Voilà. OK. Est-ce que vous ne pouvez pas donner la chance aussi à des artistes qui chantent très bien? Mais qui ne sont pas connus, par exemple Mimi. Mimi, elle chante. Vous parlez forcément des femmes. Sinon, oui, on parle des feats avec les femmes. Bon, on fait ça déjà. Oui. Ouais. Des feats avec les femmes, oui. Oui, bon. Peu connu. Elle aussi. Mais sinon, c'est pas trop de choses. On te voit, tu fais les. Bon, enfin, tu joues dans les orchestres. Est-ce que tu as l'envie de rendre la chose professionnelle? Tu sais que j'ai envie de ça. Quand tu as ton maquis, là, il partait là-bas, il était parlé du moment. Non, venu au maquis, et puis je chante. Et bon, puis, ah, viens, voilà, tu viens, je vais faire chanson pour produire le CD. Tout le monde. On va t'envoyer au bureau, on va travailler. Le vieux, il veut ça. Elle t'a dit maintenant. Mamie, on en reparle et puis on voit comment on s'est déjà validé. OK. Bon, il y a des choses, on ne sait pas, hein. Mais c'est moi, j'ai dit. Pas être assise à côté même de celui qui décide. Ah, c'est bon, non? Hein? Attends, fini le conseil. Lui, il est là, c'est son âge. Son âge est tiqué là. C'est ça que l'émission, mais on a fait, il ne pas, on a fait où? Lui, là, il ne sait pas si les gars ont fait plus de tickets. Les tickets, les tickets, ça sort. Vous avez un bon retour. Jusqu'à hier, on avait des soucis de tickets. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soucis de tickets, comment? Tous les tickets qui sont venus sont. Fini. C'est fini. À la grâce de Dieu. C'est les patrons. Ah, Dieu merci. Ah, OK. Ouais, ils sont finis. Maintenant, bon. 50 000, parlez de la. Quoi? Non, c'est non, c'est pas encore parlé, c'est Sofitel. Sofitel, c'est la 1600. Voilà, 1600, 1700. Ouais. Donc, à la limite, 2000. Tu peux aller jusqu'à 2000, quoi. Faut bien rempli. Voilà. Oui, donc, eux, ils peuvent aller jusqu'à 2000, c'est vrai. Parce que nous, on avait fait des tables. Tu veux dire, tu as fait. Voilà, vous avez fait les tables, ça prend plus d'espace. Les tables, ça fait plus d'espace. Donc, sans les tables, quand c'est. Quand c'est. Ils peuvent aller jusqu'à 2000. Ah, OK. Mais et l'esprit est bon. Combien quoi. Pour le Sofitel? 30 000, VIP 50 000. Non, c'est vous devez faire même 100 000 même. C'est bon. Ah. Oui, bon. C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi vous ne faites pas des concerts à 100 000 francs? 100 000 après, VIP, 100 000. Après la production des concerts, les structures ont fait quelques tickets. Mais c'est du B2B. On n'a pas communiqué là-dessus. Pour des moi, je souhaiterais que. Voilà. En tant que nous-mêmes Ivoiriens, on puisse valoriser notre argent. Merci. Parce que les autres artistes viennent faire concert 1 million ici. Ouais. 100 000. Il faut que. Parce que les patrons, quand même. C'est pas un petit groupe. Ce sont les patrons, quand même. Zouglou aussi, c'est une musique. Est-ce que vous pensez non, que. Non, mais Zouglou, si nous-mêmes, on ne met pas notre musique en haut. Tout l'album, là, c'est assez bon. Un concert Zouglou à 100 000, quand même. Pardon? Quand ce concert Zouglou, 1500 personnes, 100 000, eux tous. Non. Non, VIP, des trucs comme ça. On parle de Sofitel. Moi, j'ai tenté Sofitel, j'ai fait ticket 50 000 VIP. Non, ah bon? Elle te parle des VIP, elle ne te parle pas de tout moi, le monde. Moi, par exemple, humoriste. Si peut-être, hein, je dis, je ne sais plus, mais je pense que j'ai été la première à faire ça. Ticket 50 000 au Sofitel. C'est passé comme des petits pains. Il y a des gens qui ont l'argent de ça. Et puis, il y a des personnalités même qui aiment le Zouglou. Qui peuvent offrir même les tickets aux gens. Ça me fait plaisir. Et puis le public même peut payer son argent. J'aime les patrons, je paye 100 000 pour aller regarder. Oui, bien sûr. Et puis même 1 600 personnes, 100 000, 100 000, et puis ça fait quoi?
C'est le patron. Ils ont non, moi, je vais m'énerver. Tu dois le faire sortir, moi, j'ai dit. Non, tu veux m'énerver? Tu dis que non, on ne peut pas payer 100 000 pour aller regarder Zouglou. Il dit, c'est moi seulement qui suis sorti. Parce que toi, tu payes 100 000 pour aller regarder Zouglouba. Donc, nous, on ne peut pas payer 100 000 pour aller payer Zouglou. Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, mais tu veux dire quoi par là? Mais tu as dit, tu ne te sens pas bien, doucement. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je n'ai pas dit, on ne peut pas payer 100 000 pour aller écouter Zouglou. La preuve, lui-même, il dit. Il y a des tickets de 100 000, mais c'est en B2B. Non, laisse ce que lui a dit. J'ai dit, le Zouglou étant la musique du peuple, ça serait quand même un peu... Mais on te parle du Sofitel. Bah, si, 1600 le samedi prochain, ils font le Palais de la Culture. Oui, mais ce n'est pas 100 000. Tu non, dis quoi? Palais non, le Palais de la Culture, c'est le peuple. 10 000, 20 000, voilà. Palais de la Culture. Mais on veut du Sofitel, là. Moi, il dit, il devait faire 100 000, 50 000. Merci beaucoup. C'est des habitations. Parce que c'est vous autres, là. Que non. Nos artistes ne sont pas vus. Tu sais que comme quand tu fais comme ça, c'est comme si tu vois le Zouglou d'une manière. Non, non, façon. Zouglou, non, le Zouglou, c'est la musique du peuple. Toi, moi, tu j'écoute pas le Zouglou. Mais la musique du peuple. Dans le village, on joue Donc, Zouglou ne doit pas faire ticket non, comme ça. Mais le Zouglou peut même faire un spectacle privé, un million, ça dépend mais du contexte. C'est, le Sofitel est très différent du Palais de la Culture. Absolument. Donc, du coup, ça devient privé quand tu fais un concert VIP. Oui. Maintenant, après, comme c'est maintenant on démarre certaines choses, voilà. Je félicite Yves d'ailleurs faut pas, qui a fait faut pas choquer. 50 000, 50 000, 50 000. Il y a Yodé et Siro qui ont fait 30, 50. Mais après, on fait des petits cartons. Ce qu'il vivait dire, c'est qu'on puisse faire des concerts où tu dis oui. C'est 100 000 francs. Oui. Ouais. Mais je suis content de ce débat parce que ça montre qu'on doit passer à une autre étape, nous valoriser nous-mêmes. Oui. Nos frères viennent d'ailleurs, on les aime. On fait même la promotion. Ouais. On dit que c'est la place tournante. Ouais. Mais on dirait que quand ils viennent, quand ils finissent de tourner parti, nous, on doit être sur la place seulement. Ah. On doit tout le monde... Il y a l'argent chez moi. C'est ça que je suis d'accord avec le truc de Debordo. Peut-être que Debordo l'a mal exprimé. Parce que, bon, on connaît Debordo. Tu comprends? Mais ce que Debordo a dit, c'est pas mauvais. Oui, quelque part. C'est pas mauvais, c'est même pas quelque part. C'est la forme. C'est la forme d'être un truc. Sinon, le fond. Oui, la raison. Il faut qu'on se soutienne nous-mêmes. On dit que la Côte d'Ivoire, on a fait des grosses stars. Non, mais les tickets sont finis. On puisse. Moi, je vais saluer d'abord Magie System et tous les groupes de Zouglou qui existent depuis, on va dire, 20 ans, 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans dans l'univers musical ici en Côte d'Ivoire. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est là. J'ai l'impression que le Zouglou reste la musique du pays. Et qui n'arrive pas à être une musique internationale. Je précise, quand je dis internationale, c'est-à-dire que y a pas, par exemple, la musique Zouglou n'est pas comme la musique Naija, par exemple. Désolé pour ces comparaisons qu'on fait souvent. Après, je vais t'expliquer, fini. Mais, désolé pour ces comparaisons qu'on fait, mais c'est une réalité, en fait. Quand tu écoutes, quand tu es à la Côte d'Ivoire, pour parler de Bordeaux et autres, la Côte d'Ivoire aime valoriser la musique d'ailleurs. Parce que soi-disant, pour la plupart, je ne dirais pas tout le monde, ça marche mieux. Et puis, ils pensent qu'ils sont trop soi-disant. Il y a des artistes qui se prennent au sérieux dans le Zouglou. Les créateurs, les créateurs, vous qui faites ce genre musical-là, le Zouglou, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir positionner cette musique-là à l'échelle vraiment internationale pour qu'au-delà même du respect qu'on a sur, chez vous ici au niveau national, que ce soit aux États-Unis principalement. Parce que bon, quand vous partez en France, c'est les francophones. Mais quand si vous allez au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, vous réussissez à faire des concerts aussi importants que ceux que vous faites ici en Côte d'Ivoire. Mmh. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions concrètes que vous réalisez maintenant? Alors, je vais d'abord te dire, un créateur, il est là pour créer. D'accord. Ouais. Et quand tu crées, tu as forcément des objectifs. OK. Avec une collaboration. D'accord. Donc, tu ne viens pas chanter pour vendre dans ton village. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu vois? Mmh. Et tu exposes ce que tu sais faire le mieux. OK. Le jugement, c'est maintenant le public. D'accord. C'est peut-être la culture ou, si tu veux, entre guillemets, les mentalités qu'on doit changer. Adapter okay. pour pousser celui qui est de chez nous, pour le mettre à un niveau. D'accord. Si on peut le faire pour celui qui vient d'ailleurs, je dois le faire pour mon frère. Si on reste là à se contenter de « Ah, tu es bon, hein, parce qu'il passe dans ce petit maquis ou il passe dans le petit bar, tu es bon, hein, on est dans ça. » Quand tu as envie maintenant de chanter un peu, ou tu peux faire un peu comme pour Céline Dion, on dit « Ah, il fait plus Zouglou. » Il fait plus Zouglou. Sinon, on a chanté, on est les premiers à avoir chanté avec Jim Martins. La musique Naija, on est les premiers ici en Côte d'Ivoire. Voilà, allez, on l'a fait. Tu vois, bon, quand les mêmes te disent, ah bon, ils chantent bien, c'est chic, mais bon, ils font plus de... Quand tu laisses, tu viens maintenant, tu fais, quel est, oh, quel est, quel est, ton ennemi n'est jamais loin. C'est doux. Mais si tu payes le CD encore. Voilà tous ces problèmes-là. Est-ce que ça vous tue pas, vous, en tant qu'artiste? Non, c'est pas nous, on se tue, c'est vous.
qui nous tue. Okay. C'est nous. C'est vous. Moi en fait, je me dis aussi, j'en parlais la dernière fois avec Venom Cascadeur. Lui qui aime sourire là. Oui, que vous ne faites pas beaucoup de feat avec l'extérieur. Ça joue aussi en défaveur, c'est vrai. Parce qu'on est beaucoup fermé. C'est ce que je veux dire. Les feats, vous les faites entre nous ici. Mais souvent, d'autres ne veulent pas. Hein. Souvent, d'autres, là, ils te disent... Non, c'est l'argent. Ils ont commencé avec Jay Martins. Ils auraient pu... Oui, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Mais ce que tu ne sais pas, c'est pour ça que je dis, les gens ne payent pas le CD. Même télécharger, c'est maintenant, que c'est en train de prendre forme. Sinon, nous, on a un featuring qu'on a fait en Suède, au Danemark. Tu vois un peu? On a tourné en Scandinavie. On a fait les premières parties, l'Olympia. On a fait le Cabaret Sauvage de la France. Et en septembre, qui vient le 10, on fait le Zénith de Paris. On ose. Mais après, quand tu veux oser, il faut que ta famille... Il y a un accompagnement. Voilà, le pays t'aide. Donc, je veux vite faire, si vous permettez, interpeller même nos dirigeants. Parce que la culture, ça s'accompagne. On vit avec. Il y a malheur à musique. Il y a la joie à musique. Mais on n'est pas aidé conséquemment. C'est tout. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli en tant qu'artiste Zouglou et artiste ivoirien? Ouais, moi je suis fier parce qu'aujourd'hui là, il y a des portes qui sont déjà pour moi. Hein. Ouais. Par exemple, ici sur le même plateau avec toi, t'as vu, non? Oh. Moi je suis venu te trouver. Mais il te lance, c'est pas lui qui a écrit, une belle soeur. On ne voulait pas parler de ça ici. Il a dit quoi? Il dit belle sœur. On ne voulait pas parler de ça ici. Le mot est lâché. C'est lui-même qui a parlé de ça. Le mot est lâché. Il dit quoi? Il n'a pas compris. Il a dit belle sœur. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? Reste concentré, Edwin. Mais c'est mon beau-frère. J'ai dit qu'il a eu un enfant et ma petite sœur. Myriam. Voilà. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a touché. Tu veux nous mamailler? Au début de l'émission, j'ai dit ça ici. Tu veux nous mamailler? Ou bien? En fait, Clément a mis ma photo sur sa page. Il a dit, ma belle-sœur, tu es toute belle. Ah, OK. Voilà, donc quand il a dit ça... Et Clément, il a combien d'enfants, finalement? Finalement. Ça, c'est une bonne question. Ah. Il y a trois. Ah, mais c'est bon. Officiellement, ou officiellement? Les gens vont se frapper ici. Pourquoi? Mais... Attends. Aujourd'hui là. Non, tu vas répondre devant tout le monde. Pourquoi à chaque fois qu'on me pose cette question-là, c'est le premier à répondre? Voilà. Parce que je t'aime beaucoup. Voilà, t'es toute belle. Tu es mon vieux père. La vie, ma belle sœur, tu es toute il belle. Il a confirmé. Hein. Okay. Mais il a dit, ma belle sœur, tu es toute belle. Il parle de la maman de son fils. Il y a fils. De l'hésitation. Non, il n'y a pas de l'hésitation. Mais je n'avais pas compris, en fait. Non, il a dit ça. Moi, j'ai une question pour monsieur le patron. C'est de savoir pourquoi cette nouvelle coupe de cheveux, je veux savoir pourquoi maintenant, pourquoi ça? Vous savez, j'ai fait un mea culpa. Voilà. En 20 ans de carrière, ça veut dire que tu as aujourd'hui une certaine expérience. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Quand tu fais, on dit la vie est un choix et que tu arrives à ton nom va devenir trésor, quand tu as connu ce qu'on appelle succès, difficulté, après se maintenir et aujourd'hui tu vas chanter dans des salles importantes, tu as le droit de revenir, de te refaire, de renaître. Parce que c'est les hommes qui t'ont fait. Donc c'est une coiffure qui parle du pardon, de la reconnaissance, de l'amour, pour être en phase même avec ce que le pays recherche. Je me suis refait, en fait. Spirituellement. Non, moi, je suis chauve, j'assume. Ah, mais tu as fait tout le temps de te. Tu dis que non, peut-être qu'il est chauve, voilà, après. Tu sais, quand tu as envie de... En fait, de la coiffure, c'est ça que tu es en train d'expliquer comme ça. C'est ça, mais toi-même, tu as expliqué... Mais en fait, il y a des messes, il y a des trucs... Ce que tu m'as expliqué, puis ce que tu es en train de dire, là. Mais c'est ça. Non, que je veux renaître. Vous avez vos questions posées discuter. Dans vos salons là. Il dit que je veux renaître. Voilà, c'est une renaissance. Voilà. Je veux refaire le. Et puis être vraiment un peu plus normal. Comme j'ai commencé. Chose, hein. C'est juste une non, rien à voir. Non, quand je faisais, on dit la vie est un choix. Je suis venu avec ce petit visage. Oui, oui. J'ai voulu pour le cinquième album, pour les 20 ans, venir comme les Ivoiriens m'ont connu parce que c'est les Ivoiriens qui m'ont tout donné. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Qui a choisi le nom du groupe Le Patron? Le choix ne vient pas de nous, c'est les fans. À l'époque, on faisait le voyage, on dit ah, quand on Zuo Yawale, Zuo Yawale, Ividero, Zuo Yawale.
Quand ça commence comme ça, là, vers minuit, on finit à 8 heures. Tu sais, Yves, vous pouvez quand faire on fait pause, quand les gens viennent net, ils disent, ah, les petits vous êtes des patrons. Oui. On peut faire l'émission, nous deux. Oui, toi et lui. Toi, tu... Non, c'est juste que c'est intéressant. Mais pourquoi tu dis qu'on peut faire l'émission? Non, parce que vous discutez bien, vous échangez bien. Je vais partir. C'est bon, on va faire les photos. Le remarque, c'est qu'Éric aime chanter, hein. Ah. Ah, petit truc qu'il envoie. Oui, non, petit lui, truc il aime même beaucoup chanter. Non, mais là, il est belle, il est très fort dans les improvisations. Tout à l'heure, quelqu'un dans son sommeil, il chante. Il est dans son sommeil. Et puis, il est très inspiré. Éric, on est en train de parler comme ça, tu dis un truc. Ce que tu as dit là. Ça devient une chanson. Le lendemain matin, il t'appelle à 6 heures. Par exemple... Il t'appelle à 6 heures. Demain, on ne connaît pas demain. Il t'appelle à 6 heures souvent. Tu dis? Il demande s'il t'appelle à 6 heures. Oui, il appelle à n'importe quelle heure. 4 heures même. Oui. Et demain, là, comment ça s'est passé? Bon, on mangeait. J'ai bu mon truc, là, Kengus, là. Tu te rappelles? Oui. Et voilà. J'ai lui expliqué. Et puis, tu as expliqué un truc. Et puis, tu disais... Bon, tu as dit... On ne connaît pas. Il a dit quoi, bébé? Il a dit quoi, bébé? Tu as dit. Il y a bébé. Non, il y a des choses qui sont. Qui, c'est du passé, en fait. Ah, ok. Je n'ai pas dit bébé en plus. Ok. J'ai dit bébé. C'est des trucs qui se sont passés. Passés. J'ai expliqué. Non, mais expliquez. Elle expliquait. Tu vois, et puis elle a dit. La vie qui est là. Elle s'est placée, elle était devant moi, mais elle a dit la vie qui est là. On ne connaît pas demain. Et puis elle fait comme ça. On ne connaît pas demain. Elle était devant toi. Passe à passe. Quand tu m'as appelé, tu as commencé à chanter. Faut fredonner un peu voilà. Le morceau. On ne connaît pas demain, demain et demain. Oh. Ouais. Ce qui peut arriver demain. Ah, c'est là. Demain nous dira forcément. Anouma Likezo. Il tape sa poitrine, c'est lui qui maîtrise. Oh. À l'heure là, il n'y a pas l'homme pour toi. Le grand chasseur du village a été chassé du village. Là, on parle de qui, sa là? Maison est devenue le grand maquis du village. On va les écouter. C'est un paradis. Là, on parle de qui? C'est un truc parmi tant d'autres. Oui, mais moi j'ai une question sur la chanson. Parce que j'écoute la chanson. C'est son histoire, en fait, qu'elle a expliqué. Quand il dit à Clément aussi, Clément aussi appuie aussi dedans. C'est qui le grand chasseur qui a été chassé? Non, taper la poitrine. On n'est pas demain. Ça dit, c'est que tu es dedans aujourd'hui, là. Ça ne connaît pas demain. Mais parce que tout commence, c'est quand tout finit. Ouais. Il faut bien te faire. Il ne faut pas minimiser. Voilà, parce que ça peut. Ta balle de fer qui peut te mettre là. Mm-hmm. Ou bien qui peut faire même que celui que tu n'as voilà pas considéré. Voilà, l'humilité. Voilà. L'humilité. On ne connaît pas demain. Tu as vu, Vivi? Étoile. Vivi a été beaucoup spotée dans l'album. Vivi a été beaucoup spotée dans l'album des patrons. Vivi, déroule l'étoile. Vivi, mets-toi ici. Place-toi ici. Non, place-toi ici dedans. Oui, elle a eu. J'ai été beaucoup spotée dans l'album. Parce que j'ai été beaucoup spotée parce que album là même là. Peut-être que je n'ai pas chanté dedans seulement. C'est ça. Sinon, album là même, ils ont écrit ça devant moi un peu jusqu'à avec Alex Mendy à qui je fais un gros bisou, Yannick Rossi, Kalou et puis Cooker. En tout cas, toute l'équipe, franchement, ce sont des bosseurs. Ce sont des bosseurs et ça fait plaisir, comme tu disais tout à l'heure, il faut que vraiment. Nous aussi, nous puissions faire un travail. Parce que eux, ils chantent, mais nous, en tant qu'influenceurs, en tant que personnages publics, animateurs et tout ça, on puisse faire la promotion de notre musique. Parce que notre musique première, là, c'est le Zouglou, hein. Mine de rien. Oui. Et les Naïdja dont vous parlez, là, ce sont leurs fans qui font de leur musique. Mais les Naïdja même sont inspirés du beat de Zouglou pour faire leur truc. Et les Congolais, ce sont leurs fans, c'est-à-dire qui font... Aujourd'hui même,
Les Congolais, même au plus, des fans, même en Côte d'Ivoire, même que dans leur pays. Ils vont me dire que de leur pays. Moi, souvent, j'ai un problème. Je dis tellement la vérité que je suis détestée. Souvent aussi. Souvent, même les gens disent dans les commentaires que l'émission, là, c'est une vidéo qui parle du début qu'à la fin. Mais bon, comme c'est mon émission. Tu as le droit. Moi, je suis allée au Congo. Je suis allée au Congo. Je me rappelle. Je suis allée à Lubumbashi. Si. Je suis allée en boîte. Et on n'en jouait pas la musique ivoirienne. C'est moi qui ai demandé. Ils ont mis le morceau de Magic System. Faut pas dire à quelqu'un. Zouzoua Lengue. Ça date. Ça date. Si on te met du Zouzoua Lengue en 2020. En plus, tu as demandé. Et puis j'ai demandé. Je pense qu'il est temps. Je n'ai pas dit. Faut pas, on va écouter. On n'a pas parlé de rébellion. Parce que la Côte d'Ivoire, comme on dit, c'est la plaque tournante du showbiz de tous les pays. Ici, là. Ah. Mais quand même, jouons pour nous. À une certaine heure, on met pour eux 1h30, 2h. Tu connais les Ivoiriens, c'est eux-mêmes qui ont demandé ça. Tu connais les Ivoiriens. C'est Ivoirien, mais c'est eux-mêmes qui demandent. Maintenant, pour nous, là, c'est à une certaine heure. Non, mais je pense que c'est un problème même pour valoriser même sa culture, non, après, son art et tout. Ça dépend de l'espace aussi. Ça dépend de l'espace. Il y a des espaces où... Normalement, on doit commencer même par chez nous. Écoute, tu sais, tu vas au Ghana, tu vas en boîte. Tu écoutes la musique jusqu'à... Tu vas écouter ça jusqu'à... Tu vas négocier pour avoir ta musique, même, c'est chaud. C'est comme avant. Mais chez nous ici, là, dès que tu rentres en boîte net, ça commence. Et tu sais... DJ, pardon, s'il te plaît, mais les patrons, là. Il dit non, il y a quelqu'un qui a demandé truc. Non, mais après aussi, moi, ce que je veux qui a demandé ça, là. Attends qu'on va finir. Oh, les gars, après, allons au joker. Voilà. C'est le moment du joker. C'est quoi le joker? Je vois si les gars... Saint-Dich, il n'y a rien pour mes invités aujourd'hui. Oh, oui, oui. C'est vrai. Non, pour eux, j'ai dit qu'on ne fasse pas ça. Pourquoi? Non, si ils ne connaissent pas, ils vont chanter. Non, je comprends pas. Oui, c'est moi qui ai décidé. Ça ne te plaît pas, quoi? La décision t'énerve? J'ai dit pour eux, ils ne vont pas manger de poisson, de trucs. Poisson plus. Ils ont un concert demain, donc je veux qu'ils soient dans de bonnes conditions. Il y a d'autres trucs thérapeutiques ou je ne sais pas quoi. Quand tu vas faire ton émission, tu vas emmener des trucs thérapeutiques aux gens. Pour l'instant, c'est mon émission. Aujourd'hui, merci. Tu dis quoi? Non, j'ai rien dit. Ah. Mais finis ta phrase. Tu as dit non. La première question. Demande ton âge exact. Aïe. Mais tu es un bel homme. Il y a 45 ans. Ah. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Parce que maintenant, même la légende blanchisse leurs cheveux. Moi-même, en bas de ça, là, c'est cheveux blancs qui en bas. Tu vois? Et monsieur? 30 septembre 1980, j'aurai 42 ans en septembre. Et toi? J'ai 38 ans. Non, mais c'est mon âge. Vous, Raymond, qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Mais c'est 4. Dans le comportement d'Éric. Que tu détestes même carrément. Il gaspille trop. Gaspille trop quoi? Ouais. Trop dépensier, en fait. On ne doit pas dépenser là. Lui, il est âgé là-bas. C'est un dépensier. Ah, il est dépensier. Ouais. Sur les femmes ou bien sur quoi? Non, on lui parle dans le non, ça, on lui pose la question. Sur tout. Sur quoi? Sur quoi? Sur tout, tout. Donc, femme, tout. Explique bien. Bras, on change Clément. Explique. attends, il y a quoi même? On lui a posé la question, laisse-le. Okay. Sur tout, sur les femmes. Famille, là, comment il fait? Mais pourquoi tu insistes sur les femmes? Il y a beaucoup de choses. Bon, pour faire un tout, il y a beaucoup de choses. Mais tu as dit sur tout. Ouais, sur tout. Les dépensiers. C'est tout. Ça te chagrine. Quand je suis là, en tout cas, ce que moi je vois, sinon, pour femme là, il n'a pas encore donné devant moi. Donc, ça, je ne sais pas. Mais c'est normal s'il donne. Je t'aime beaucoup. C'est normal s'il donne. Je t'aime beaucoup. Merci pour tout. S'il avait. Eric, et toi, qu'est-ce que tu détestes chez Clément? Bon. Un peu négligent. Ça, c'est pas et faux. Puis... On dit un moment. Un peu négligent et puis un peu impulsif. Il est négligent par rapport à quoi? Oh, comme il a dit, surtout.
C'est le Mouzengue. On est dans le tout. C'est lancé. Ouais, un peu négligent et puis un peu impulsif. Clément est impulsif. Ah bon? On prend les gens, hein. Ça, c'est le prochain morceau. Souvent, on dit, bon, quand il lui dit, bon, bras, on fait comme ça. Pourquoi? Tu peux dire simplement, pourquoi? Tu peux faire ça? Quand je lui dis, non, c'est pas bon. Il dit non. Il faut qu'on fasse. Mais je t'explique. Allez, t'explique pas. Que non, on va faire comme ça. Et non, c'est quoi, on fait pas. Maintenant que vous êtes. Avant, vous étiez quatre. Hein? Aujourd'hui, vous êtes deux. Mm-hmm. Est-ce que c'est plus facile de partager l'argent des cachets, par exemple? Non, mais ce n'est pas de l'argent même qu'il s'agit. Voilà. Tous ceux qui ont commencé, tous les groupes qui se sont disloqués, c'est forcément par rapport à une vision qu'ils ne partageaient plus. Mm-hmm. C'est pas forcément l'argent. Non, je parle pas de... Non, c'est pas ça. Voilà. Je parle de... Est-ce que c'est facile de partager l'argent à deux? C'est pas à faire de facile. Parce qu'aujourd'hui même, on a plus d'objectifs à atteindre et on se produit. Mm-hmm. On est nous-mêmes producteurs. Ah, OK. Donc, c'est deux fois plus difficile même qu'avant. Parce que ce qui rentre là, c'est ce qu'on prend pour travailler. On a une structure événementielle. Mais vous partagez comment? Comme c'est lui l'aîné, il a plus que toi ou bien? Non. Bon, dans le royaume même avant, quand il reste 25, on paye de l'eau. Puis on pèse. On pèse. Chacun pour. Donc, imagine maintenant. Mais là, ce qui change tout, c'est que quand on devient professionnel, après, il y a des dépenses liées à la promotion. Mm-hmm. Donc, on peut, pour une bonne raison, dire... On va enlever ça. Comme il y a des courses que je fais un peu plus de façon liée au manager, ou il y a des courses où lui fait un peu plus liée au manager, quand on va, par exemple, à Oumé, aujourd'hui, en fonction de ce que lui doit faire, on sait comment on lui envoie ça. Mais c'est quoi, il y a le message de ce que tu dois faire là, ça. Si tu n'as pas fait la course, c'est un ramba. Tu es au courant. Voilà. Donc, on gère comme ça. Et on est bien, c'est très équilibré parce qu'on a du monde. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'hommes qui agent, il y a les managers, il n'y a pas que les artistes. Quand tu viens de chanter, il y a tous ceux qui t'accompagnent, qui vont même saouler tes habits, conduire, quoi. Ouais, on est nombreux. Le plus gros cachet. Aujourd'hui ou avant? Non, là. Avant, c'était 15 000. Au moment, mon premier gros cachet dans le Royaume, c'était 15 000. Après, quand le premier album est sorti, j'ai eu 38 000 dans le Gué. Et... deux casiers et demi au quartier. Tu es le parrain. Et maintenant? Oh, maintenant. Bon. C'est bon, le cachet de Benoît. C'est bon? Pour avoir les patrons. C'est bon, c'est bon. Thomas, regarde-le. Pour avoir les patrons. Pardon? Pour avoir les patrons. Pour avoir les en patrons. En spectacle. Je vais te donner un numéro. 30 minutes de playback. Alors, Universal Music. Voilà. Tu vas Yannick venir. Rossi. Et il gère. Après, bon. Nous, on peut voit, pas savoir. Voilà. On voit et puis... Qu'est-ce que Eric a fait ces derniers temps qui t'a énervé, qui t'a mis hors de toi? Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose qui t'a mis hors de toi? Tous les jours. Si c'est pas tous les jours, est-ce qu'il y a hors de toi dedans? Matin, on devait aller faire un truc là. Il tape la porte de la chambre. Parce qu'on est ouvert là, oui. Le concert demain. Il connaît. Il connaît le son. J'ai dit, ouais, bras. Ouvre. J'ouvre. Il dit, ouais, c'est comment? Tu sais pas quoi on a du café? Mais tu peux le dire doucement. J'ai dit non, il m'a appris. Mais pourquoi toi, toujours, mais tu veux porter pas doucement? Mais moi, souvent, tu fais des choses, les gens sont énervés, toi, tu veux porter pas doucement. Mais je t'ai fait quelque chose. Quelle chose, par exemple? On connaît pas demain. On appelle son téléphone est fermé. Toi, tu parles de téléphone est fermé. Okay. Moi, je viens à la maison. Il dit là, à la maison, je viens. Il n'est pas là. Kalou me dit non, il vient de sortir tout mais de suite. Mais j'étais assis à côté. Je lui dis, tu es où? Il dit, je suis dans le coin là. Il dit, bon, on fait comment? Il dit, non, je viens te chercher où tu mais es. Mais on parle de tout ça là, pour faire quoi ici? Je viens te chercher. Non, je suis au carrefour, hein. Dans ma voiture, je l'attends.
J'ai dit, mais on fait comment? Il dit, non, attends-moi là-bas. Il dit, mais c'est le coin à côté. Indique-moi, je vais venir. Il dit, non, attends-moi où tu es. Il dit, mais pourquoi où tu es là? Moi, je ne peux pas arriver là-bas. Vrai, vrai. Elle donc, j'ai vu que si je faisais, j'ai vu que si je faisais bras, vrai, vrai, pour de vrai, si je quoi, faisais bras, il n'allait pas me montrer le coin, je n'ai rien dit. J'ai dit, bon, viens, il y a un coin à côté de la maison où on s'assoit d'habitude là. Viens là. Voici Kalou aussi. Kalou, c'est son petit frère. Le papato. Kalou aussi qui vient. Genre, Kalou veut me sécuriser. Faut pas, j'ai bougé. Donc, Kalou est là. C'est chou. J'ai des chou. Non, c'est une histoire vraie. Jusqu'à... C'est une histoire vraie. Il arrive. T'as vu ça? C'est... Il arrive. C'est quand récent, il arrive là, j'ai dit, bon. C'est récent? D'où tu viens là? Fin d'année. Allons là-bas. Fin d'année passée. D'où tu viens? Allons là-bas. Il dit non. Il dit, allons. Ça ressemble à quelque chose. Hein? Donc, on oui, va là. On se suit. Mm-hmm. On arrive dans le coin. Non, je n'avais pas ma voiture. Mm-hmm. Je n'avais pas ma voiture. C'est un ami qui était venu me déposer. Je n'avais pas ma voiture. Donc, on monte dans sa voiture. Je monte dans sa voiture. On arrive dans le coin. Quand on veut garer, il dit non. Bébé, il te dit quelque chose. Hein. Ah! Ah! Ma belle, ma belle, on s'appelle comme ça. C'est comme ça, on s'appelle. Non, on s'appelle bébé. Non, c'est bon, on s'appelle bébé. On s'appelle comme ça. Si, on s'appelle comme ça, bébé. Où on est arrivé là? En fait, je veux te parler. Il dit, mais de quoi? Descendons, il dit non, attends. Capte-toi. Oh, lui, il ne demande jamais pardon. Parce qu'il me demande pardon, il dit non, c'est qu'il y a qui. Je dis non. Il y a des filles qui sont là-bas, là. Tu ne parles pas à elles. Donc, comme il t'a assise à elles, là, il dit si tu viens, peut-être tu vas les frapper, il dit, ça va devenir palable. Donc, c'est pour ça qu'il dit. Il dit qui? Il dit tant. Il dit non, allons. Ça, non, moi, il ne fait rien. Donc, mais elle a gâté. Il dit, quand on arrive, on est assis là. Elle a gâté. Il est comme ça. Quand la fille veut lancer quelque chose, il fait comme ça. La fille. Arrivé un moment là. Elle me lançait trop les pics. Les pics, ça pétait. Je suis rentré aussi. Ah oui, oui, oui. C'est quand? Quand je suis rentré là. Là-bas, Mimi. Quand attends, je suis rentré, la fille voulait parler. Il dit, non, non, non. En fait. C'est pas ce qu'elle a voulu dire. Elle a voulu dire, on s'en va là. Nous sommes dans le Ivy de Rose Show sur NCI. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Je suis Ivy de Rose, la queen. Ah, c'est quel public ça? Qui n'a pas. On dit la queen. J'allais vous partager, vous n'avez pas applaudi aujourd'hui. Ah, Seigneur, comment? Oh, Seigneur. J'ai deux gars qui sont là tous les vendredis soirs. Mm-hmm. Franchement, ah ouais. Ils sont où? Il y a lui qui a... Karamoko et Adou. Oui. Ils sont où? Venez, pardonnez les gars. Ça veut dire que tous les vendredis. Ah, Adibaté! Adibaté! Oh, t'es positionné en bien, t'es ça. Mais lui là, lui qui a la porte. Ah, la porte il n'a pas qu'à de lui, il n'aime pas. Hein. Il n'a pas qu'à de lui, il dit de pas, non. Non, il pas. Donc, ces deux, vraiment, je tenais à vous dire merci devant toute la nation ivoirienne. Tous les vendredis sont là. Ah ouais. Tous les vendredis. Franchement, merci beaucoup pour le soutien. Et donc, il ne nous reste plus assez de temps. On va faire une petite dictée. Mais avant ça, chaque chroniqueur... Dictée, elle n'a pas encore fini. Ils vont vous poser des questions, vraiment, parce que le joker n'était pas trop corsé. Donc, je vais prendre deux questions par chroniqueur. Okay. Mimi, on commence par toi. Bon, moi, ma... deux, hein. Mm-hmm, une deux. Question à Clément, une question à Eric. Ah, d'accord. Bon, moi, ma première question, c'est pour vous deux, par rapport au conseil.
vous avez un styliste particulier qui va vous habiller pour demain, tout ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, ce n'est pas une question. Je vous souhaite bonne chance pour le concert de demain. C'est tout. Merci. On avait travaillé un peu là. Ouais, on a un styliste qui s'appelle Laïri qui voilà. Salue. Zoro, Laïri. Au passage. Ouais, demain, quand tu vas nous voir là, de toute façon, on va être Zoro là. C'est lui. D'accord. Voilà. Laïri. Patrick. Moi, ma question, c'est par rapport à votre carrière. Je pense que depuis un moment, enfin, c'est passé maintenant, il y a eu une évolution artistique de la part de vous deux. Et il y a eu des départs de certains artistes. Vous avez déjà répondu 1000 fois. À ces oui. questions-là. Mais moi, je voudrais savoir quelle est la remarque qui a été la plus désobligeante qu'on vous a dit par rapport au départ des différentes personnes, parce qu'il y a eu plein d'accusations qui sont fausses et qui vous ont peut-être blessé, mais quelle est celle qui vous a vraiment touché particulièrement, qui était fausse, bien sûr? Bon, personnellement, c'est quand, après, on te fait passer pour un méchant. Alors que ce n'est pas le cas. Mais comme... On a pour coutume de le dire, quand je fais dans le début de chanson, puis il dit Dieu seul sait, c'est pas seulement valable pour nous, même pour vous. Quand je suis là, que je vois des gens attaquer une personne aussi joviale, c'est pour dire que tu peux pas taper la porte de tout le monde pour donner des explications. Ouais. Après, chacun a sa nature. Tout le monde essaie de faire des efforts pour évoluer et de faire évoluer les autres. S'il n'y a pas chemin, on ne se dit pas bonjour. Donc il y a ce qui peut ne pas te plaire de façon naturelle. Mais est-ce que tu fais qu'il ne me plaît pas? Est-ce qu'on passe le temps à dire toi, 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 tu ne me plais pas? On vit ensemble. C'est de trouver le moyen de le gérer au mieux que de dire il est comme ça. Pourtant, toi, tu ne te mets jamais à la télé pour dire lui, il est comme ça. Toujours, on dit toi, tu es comme ça. Donc, c'est mieux quand Dieu seul sait. C'est quand on te fait passer pour un méchant. Alors qu'en réalité, vous avez compris que je ne décide rien sans lui. C'est le vrai point. Je vous ai dit, c'est le donc fondateur. Donc, c'est le méchant qui est là. Non, il n'est pas le méchant. S'il y a un méchant aujourd'hui, c'est que depuis le début, nous sommes tous méchants. Ouais. C'est ça. Quand on se mettait dans une maison, on rêvait. Il ne faut pas aujourd'hui que quelqu'un va devenir méchant. Hein. Mm-hmm. On se connaît à longtemps. Mais c'est le showbiz qui est comme ça. C'est ça. C'est la vie. Show. Et on roule dedans. Ouais. On ne va pas changer ça. Ça. Mais Dieu seul sait, c'est mieux. Clément, voilà. Et toi? Voilà. Moi, je pense que la vie qui est là, il faut prendre le bon côté. Mm-hmm. Et puis le mauvais côté, il faut prendre ça comme un enseignement. Voilà. C'est tout. Donc, il n'y a pas quelque chose qui t'a... Non, ça fait mal. Tu peux vivre avec une femme pendant combien d'années? Quand vous vous séparez, ça touche. Mais après, forcément. Quand ça passe, ça passe. Voilà. On n'en vient à personne. Hein. C'est la famille. Voilà. Hein. Ce n'est pas seulement même de la musique dont il s'agit. Il y a des personnes qui sont parties de nos vies. Voilà. Ça fait mal toujours. Mm-hmm. Donc, c'est toujours blessant quand on te fait passer pour ce que tu n'es pas. C'est ça. Très, très honnêtement. Mais effectivement. L'arme fatale de ça, c'est... Là, je suis d'accord avec toi. Merci. C'est de ne pas rentrer après ça. Quand on veut te faire passer pour le méchant. Voilà. Les laisser m'attirer, c'est qu'il c'est ça. Ah, c'est... Ma dernière question. Bon, demain, c'est l'un de vos concerts que vous allez faire. Le 5 au Sofitel, samedi. Voilà. Demain. À partir de 19h. 19h. Ouais. Les patrons dans 10 ans. Dans 10 ans. À quoi on doit s'attendre? Déjà... Je bénis Dieu pour ce que tu viens de dire. C'est pourquoi? Parce qu'on peut tout payer, tout ce qu'on a là, tout ce matériel. Mais on ne peut pas payer la vie. C'est longue vie qui est Dieu. Le reste, on peut gérer. Donc, même si dans 10 ans, on se retrouve ici, j'ai dit Dieu merci parce que toi ou moi, on se voit encore. Ça veut dire qu'on est encore vivant. C'est la plus grande richesse. Le reste, ouais. Ça, c'est clair. Avant que 10 ans n'arrive, tu peux avoir ça, si Dieu veut. Ouais. Donc, je prends les 10 ans. Ça va quand même. Vraiment, pas grand chose à dire, mais Eric a dit qu'ils se produisaient eux-mêmes. Mm-hmm. Voilà. Et moi, je voulais te demander si on pouvait quand même savoir combien a coûté la production du dernier album. On a la chance aussi d'être en licence à Universal, mais qui se comporte comme des coproducteurs. Je veux dire, ils font plus que ce que le contrat nous donne. Mm-hmm. Mais je pense qu'on va passer peut-être à une étape supérieure les années à venir. Ouais. Mais pour là, c'est pas... Humblement, c'est pas ce que ça a coûté qui est important. C'est on a fait. Ouais. Et on assume. Donc ce que ça a coûté,
Peut-être que ce n'est pas toi qui as payé des gens qui vous ont aidé. Comme je te disais, je me suis rasé parce que c'est de la reconnaissance. De la... Il y a des choses qu'il faut changer dans ta façon de faire. Quand tous les jours on dit que tu es comme ça, là, si tu es encore dedans, c'est que tu es encore dans le temps de ça. Après, on ne peut pas te transformer. Mais quand à un moment donné, toi-même, tu as envie de te dire que là, là, tu dois changer un peu, tu changes ça. Donc, accepte, souffre qu'on n'expose pas ce que ça coûtait. C'est est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a réussi. Voilà, on va chanter à Livon, on va chanter au Zénith. C'est tout. C'est ça qui est bon. Je vous suis, je suis votre actualité. Je suis ami à Yannick aussi. Et je crois qu'on s'est vu une fois... Et à Kevin aussi. Kevin Mian. Oui. On s'est vu dans l'immeuble. Vous avez fini le shoot. On est venu faire des photos. Ouais. C'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. Toi, tu l'avais pas. Salut, j'ai connu. Tu as vu comment il te regarde? Non, attends. Donc, on dit immeuble. C'est un immeuble, c'est comme ça que ça s'appelle, un bâtiment. Mon frère, pose ta question. Voilà, et ma question, c'est... J'ai oublié ma question, attends. C'est quoi ça? Non, il faut que je me rappelle, c'est une question importante. C'est par rapport au conseil du 12, non? Le 12, on parle de la culture. Le 5, c'est demain, le 12, dans le week-end prochain. Ils ont donné les tarifs des tickets. Moi, je voulais savoir juste... C'est où l'espace, où ça se fera? Au palais de la culture, là? À l'esplanade. À l'esplanade. Et ça prend combien de personnes là-bas? L'esplanade, tu limites à ton goût. Hein. Tu peux faire 5 000. Faire une installation, ton implémentation, tu peux faire 5 000. Et donc, ça sera. 6 000, genre, mais on va aller à. Espace maquis. Oui, espace maquis. Donc, c'est ouvert, ça sera très ouvert. Mm-hmm. Illimité, quoi, jusqu'à ce qu'on puisse s'arrêter, ou là, ça doit s'arrêter. Ouais. Pour ne pas exagérer, parce que le coût, c'est 10 000, 20 000. Donc, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Super. Eh bien, on va passer à la dictée. Encore? On applaudit encore. Ça, parce que les gens ne voulaient pas. La dictée, oui. Le prochain, mon truc, ça n'était pas un vrai, sérieux. Game of Thrones. Dans le Game of Thrones. On va aller vite. Dictée, ciel moutonné. Quoi? Ciel moutonné. Mais c'est quoi moutonné. Ce truc-là, en fait? Comment ça? Je sais pas. Ciel moutonné. Moutonné. Moutonné ou moutonné? Moutonné. D'accord. Les tricheurs. C'est le titre, quoi. Si. Attends, ça, c'est quoi, ça? Quel joli nuage! Joli nuage. Quel joli nuage disposé dans le ciel comme autant de grosses boules de coton. Boulot. Disposé dans le... ciel comme autant de grosses boules de coton. Point d'exclamation. Comme autant. Disposé comme autant de grosses boules de coton. Quel joli nuage disposé dans le ciel comme autant de grosses boules de coton. Coton-tige. La journée lumineuse. J'ai fini. Bon, OK, on s'arrête là d'abord. Non. Son tableau est fini. Tout, hein. Son ardoise est fini. Mais il peut tourner, là. Placé. D'accord, je tourne. Placé comme ça. Moi, j'ai oublié tout. Placé comme ça. Placé pour que les caméras puissent passer. Je me suis arrêté à ciel. Voilà. Et puis, il y a mon truc qu'on n'écrit pas bien. Oui. C'est que tu as écrit la terre, quoi. Bra, tu es bon, même. Ciel moutonné. Clément, son truc. Non, c'est moutonné. Oui, mais ça on ne voit pas. Montre. Ça n'écrit pas bien. Ça n'écrit pas bien. C'est pas grave, je suis disqualifié, c'est pas grave. Il va faire quoi? Il dit qu'il est disqualifié. Ciel moutonné, quel joli nuage disposé dans le ciel, comme autant de grosses boules de coton. Place, ils vont regarder. Place. Mais franchement, cette satisfaction me gêne beaucoup. Je réfléchissais, j'ai dit, parce que moi, normalement, pour ce que j'ai fait, comme moi, je fais un peu de littérature, je réfléchissais, j'ai dit, ben,
C'est une grosse boule. On va au pluriel. Maintenant, deux cotons, là. J'ai dit coton. S, pas S. Mais c'est beaucoup de coton. Mais ah. Les boules sont déjà dans le pluriel. Regarde-moi le coton. Laisse le S, maman. Mais tout est propre. Tout est propre. Tout est propre. Ouais, S, c'est... Non, mais ça, arrêtez quelque part, là. Tout est propre. Mais pourquoi il vient d'enlever le S. Déjà, le V, c'est S. Il a haut, il a triché. Il a triché. T'as vu, là? Il a triché. Patrick Edouard, tu as triché. Cédric reste comme ça. Patrick Edouard a triché. Mais je l'ai triché. On voit même que tu as rajouté des choses. Non, mais... Donc, tu as triché. À quel moment? Disposé dans le ciel comme autant de grosses boules de coton. Edwin, c'est bien. Et toi? Monte. Mimi, monte. Non, Mimi. Le autant, là. Attends, il a beaucoup de fautes. Regarde, il y a autant. Ah, autant. Attends aussi. Oh. Attends, va, il n'avait pas vu. Montre pour Patrick. Là, c'est ma soirée. Autant. A-U-T-A-N-T. Montre. Comment autant? Pour Mimi, ciel moutonné, quel joli. Eh, Mimi. Ouais, pour moi, mieux. Eh, Mimi. Pour moi, mieux. Autant, elle a mis E-N-T. Non, c'est pas E. C'est non, c'est D. La maman de Steve monte. Grosse boule de coton. Hey, non. C'est pas son fils. Qualifié. Autant là, comment on écrit autant? Mais pas bon. Et puis elle frappe son fils quand il n'étudie pas. Attends, moi. Ah, nous pouvons avoir la correction au bas de l'écran. Bon, j'ai dû couper la dictée parce qu'elle était un peu longue. Mais bon, vous avez la correction. Oh, il a tué. Tu as tué comment est-ce à la fin du coton? Bon, c'est fini. Vous avez mis quoi d'exclamation? Remplace. Oh. Bon, et puis il est bien droit comme ça, il est bien. Demain, au Sofitel, à partir de 19h, vous aurez les patrons en concert live. Concert Zouglou live. Même vous savez comment c'est chic. Zouglou est doux. Son concert live dans une salle climatisée. Ça sera encore plus doux. Donc, j'invite toutes mes étoiles et toutes ces personnes qui sont pour la culture ivoirienne d'aller soutenir les patrons demain. Je pense que les tickets, même, c'est déjà... Mais il faut qu'il y ait aussi des gens dehors pour s'arrêter. Pour que le coin soit bien rempli. Voilà. Donc, on compte sur vous. Et le samedi prochain, au Palais de la Culture, à l'esplanade du Palais de la Culture, on y sera également pour soutenir les patrons Eric et Clemso. Une histoire qui dure depuis bientôt 30 ans. On compte sur vous, on se fait la bise et on se dit à vendredi prochain, 20h15, sur NCI, la chaîne étoilée. Dans nos vallées de nuit, trésor. Demain là, ton nom va devenir trésor. Vous aussi, oh, le nom va devenir trésor. Dadamougué, dadamougué, dadamougué. Côté de vous, on ne sait jamais. On ne sait jamais.